Ok, bon, bah, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus sur comment aborder la pêche quand les poissons sont en frais. Donc, quand les poissons sont en frais, on sait très bien que c'est très compliqué. Les poissons ne sont pas du tout focalisés sur la nourriture, mais plutôt sur le fait de se reproduire. Donc, pour ma part, ce que je fais, déjà, on essaie de localiser les poissons. Chose qui est plutôt assez facile, puisqu'elles sont en frais, elles font beaucoup de bruit, c'est assez simple de les repérer. Ensuite, ce que je fais, moi personnellement, j'attends qu'il y ait un refroidissement du vent, surtout le vent du nord, tout ce qui peut en fait refroidir l'eau et couper le fait qu'elles se reproduisent. Donc elles vont rester quand même plus ou moins sur le secteur, mais vont plus se diriger sur la nourriture. C'est ce que j'ai pu voir avec ces années en étant au bord de l'eau. C'est comme ça que j'arrive à faire des poissons pendant les frais. Ensuite, je ne fais pas de gros amorçages. J'utilise des sacs solubles ou des sticks au spot et c'est comme ça que j'arrive à faire le plus de poissons. Ici, bon, on n'est pas du tout sur cette catégorie de poissons puisque la fraie n'a pas commencé. Donc c'est vraiment pour venir au bord de l'eau, passer un petit moment et vous expliquer ceci dans les quelques mois ou quelques semaines à venir. De toute façon, quand la vidéo sortira, les poissons auront commencé la fraie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fraies commencent toujours avant dans les étangs, les lacs et ensuite suivent les rivières. Les rivières sont alimentées en eau en continu. C'est pourquoi l'eau se réchauffe un peu après les étangs, tout ça. Donc dès que les étangs se mettent en frais, vous pouvez toujours vous diriger sur les rivières. Et une fois que les rivières sont en frais, vous pouvez revenir sur les étangs. Généralement, elles ont fini de frayer. Bon bah voilà, après je crois que j'ai fait un peu le tour. L'idéal c'est d'attendre que l'eau refroidisse un petit peu, qu'elle se redirige sur la nourriture, pas faire de gros amorçages et jongler entre étangs et les rivières. Voilà. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.